Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Faites le papier. On se retrouve pour le Quintet Plus du 18 avril, le prix de Marly en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp. J'ai décidé de retenir trois bases pour ce quintet. D'abord le numéro 16, l'Ardéchoise, cette poulie de Carlos et Yann Lerner fait toutes ses courses avec 4 places en 4 courses, compétitive en 35 de valeur. C'est une base solide de ce quintet. Le numéro 9, Marie Mancini, elle est irréprochable depuis le début de sa carrière. À son nez sur les terrains souples, elle a le talent pour terminer sur le podium. Et enfin, dans Sioux, cette pensionnaire de Pascal Barry disputera son premier handicap, la top weight du lot, mais elle affiche une réussite de 78% dans les 4 premiers. Mes associés, on commence avec le numéro 4, Caléo Creek, 3e pour sa première sortie sous l'entraînement de Sophie Lancelot. Je joue la carte de la forme. Le numéro 5, Ali. La listed à Chantilly dernièrement était un niveau trop haut pour lui, en 38,5 de valeur, il a montré sa qualité. Le numéro 10, The Place to Be, son entraîneur Louis Baudron se montre très confiant en disant de sa pouliche que tous les feux sont au vert. Le numéro 11, The Cats, dans une épreuve de référence, il se classait 3e devant deux de ses concurrents du jour, Egea Tegea et Mamom. Et enfin le numéro 12, Antico, dernièrement à Chantilly, il brillait pour sa première association à Maxime Guyon qui lui sera à nouveau associé ce jeudi. Je vous résume mon ticket en champ réduit avec 3 bases, le 16, le 9, l'As pour le podium et je le rajoute le 4, le 5, le 10, le 11 et le 12, un ticket pour un montant total de 10 euros. Vous pouvez retrouver l'analyse complète de mon ticket sur le site equidia.fr.